Alléluia, il est vivant, il est puissant, le Dieu que nous servons. On l'appelle Jésus de Nazareth et avec raison. C'est le Dieu qui rend possible ce qui est impossible, qui rend visible ce qui est visible et qui amène le futur dans ton présent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis de BeniTV, bienvenue à votre émission L'Ange de Nazareth. L'Ange de Nazareth, c'est votre émission qui passe tous les jeudis et les vendredis à 19h30 sur la chaîne préférée BeniTV et qui est bien sûr rediffusée tous les matins à partir de 2h30 le vendredi et le samedi, 2h30 du matin, autant pour moi. Je suis le docteur Dienodo Kamdemnunga et c'est avec bien sûr la collaboration et l'aide du centre de formation Nazareth ici à Abidjan que je vous présente cette émission comme ça et vous allez souffrir ou vous allez vous réjouir de m'avoir tous les jeudis et les vendredis avec vous pour qu'ensemble nous décryptons les saintes écritures, que nous comprenons ce qui ne va pas dans le christianisme aujourd'hui et qu'on essaie de réfléchir afin de revoir ce qu'il y avait dans l'église primitive se produit ici dans l'église contemporaine ou encore l'église postmoderne. Ça avait beaucoup de gens d'ailleurs que je voudrais vous saluer avec cette merveilleuse ponctuation musicale, tout en vous demandant de bien vous asseoir parce que nous allons encore démarrer. On y va, come on. L'Éternel a conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur le hauteur du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur de rocher. Ma vie est pareille à l'aigle. Nous avons commencé, il y a cela quelques jours, une série d'enseignements sur le thème « Les quatre erreurs de Job ». Oh my God! Vous étiez nombreux à répondre, à nous appeler au numéro plus 225 48 96 82 83 et également au plus 225 65 46 75 82. Merci d'avoir répondu. D'ailleurs, les numéros sont là. Nous sommes contents. Nous avons reçu vos appels et croyez-moi, le prophète Steve Mouliom, moi-même, nous sommes heureux de pouvoir prier pour vous et permettre à ce que la gloire de Dieu soit manifeste. Merci également pour votre intérêt à participer à cette série de formations qui commence le 1er septembre sur au centre de formation Nazareth ici à Abidjan. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur la deuxième erreur de Job. La deuxième erreur de Job. La première erreur, nous avons parlé, il s'agissait de l'absence, le mystère de l'absence dans la présence. Quelle est donc la deuxième erreur de Job? Job chapitre 1, vous savez que c'est le texte de base à partir du verset 6, mais aujourd'hui j'aimerais particulièrement nous insister au verset 9 à 12. Job chapitre 1, verset 9 à 12. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? » Oh, j'aime Dieu et sa capacité de protéger ses enfants. « Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Aïe, son entreprise couvre le pays. Il a une multinationale. « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis celui qui te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aïe, il y a des livres, et je l'ai dit à l'autre émission, quand vous lisez, vous risquez d'attraper crise cardiaque. Vous avez envie de poser la question à Dieu, pourquoi tu as permis que cette histoire soit mentionnée dans les livres? Et c'est là où vous comprenez que Dieu dit, ces choses ont été écrites afin de nous servir de leçon, afin qu'au travers de cela, nous puissions puiser quelques informations. La Bible dit que tout le malheur de Job était lié à l'activité de Satan. Non, 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 tu ne me comprends pas. La Bible dit que c'est Satan qui a occasionné la souffrance de Job. J'insiste sur ce fait. Parce que quand vous allez entendre Job parler, pendant 7 jours, ses amis lui vont s'asseoir et personne ne sera capable d'ouvrir la bouche parce que sa douleur est grande. Et pendant tous les 30 chapitres qui vont suivre, Job va continuer à débattre avec ses amis, discuter avec ses amis. Ses amis lui disent « C'est parce que tu as péché. » Il dit « Non, je n'ai pas péché. C'est Dieu qui me fait ça. » Ses amis disent que « Non, il n'y a pas quelqu'un qui est juste devant Dieu. » Job dit « Non, moi je suis juste devant Dieu. » Et le débat théologique va passer. Et là, nous pouvons avoir des thèses et des thèses de doctorat. Mais dans toute cette discussion, pratiquement 30 chapitres, mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
le nom de Satan n'est pas mentionné. Tchad! Ça fait peur. Ça fait peur. À Job chapitre 1, c'est Satan qui va accuser Job. C'est Satan qui demande à toucher Job. C'est Satan qui frappe Job, pas Dieu. Mais à partir du chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, à la fin de tout ce débat, le nom de Satan n'est pas mentionné. La deuxième erreur de Job, c'était le manque de la compréhension du combat spirituel. Job ne saisissait pas ce qu'on appelle la guerre spirituelle. Job ne savait pas qui est son véritable ennemi. Et c'est la raison d'être de l'Église. Nous vivons dans un temps où, malheureusement, l'Église se divise en deux. Ceux qui extrapolent la puissance de Satan et ceux qui ignorent la puissance de Satan. C'est deux erreurs à ne pas commettre. Il y a des églises où vous allez, lorsque tu as cogné ton pied sur une pierre, c'est le diable. Lorsque tu as le moustique t'a piqué, c'est le diable. Lorsque tu as le palu, c'est le diable. Tu as les maux de tête, tu as faim, c'est le diable. Tu n'arrives même plus à bien manger, c'est le diable. Tu n'es pas performant sur le lit avec ta femme, c'est le diable. En fait, le diable est devenu la raison d'être de toutes les explications négatives de ce qui arrive. Ça, c'est une erreur. La deuxième erreur, et la plupart de ces égards, vous entrez, on dit, Satan, je te lis, je te botte, je te cogne, Satan, je te texte, Satan, j'écrase le piment, je mets dans tes narines, je souffle dedans, Satan, je te puge. C'est-à-dire, tellement de gymnastique démoniaque qui aujourd'hui ont l'air d'être très spirituels. Et après, quand ils ont une certaine satisfaction, ils disent, oh, Dieu m'a écouté, frère, le diable n'est pas à ce niveau, tu ne peux pas puger le diable, tu ne peux pas mettre le piment écrasé, il n'a pas peur de ton piment, tu vas écraser le piment, tu vas... Frère, il faut un peu que l'Église, qu'on réfléchisse un peu, j'ai l'impression que, parce que nous les évangéliques, on parle trop en langue, et que celui qui parle en langue, son intelligence est stérile, j'ai l'impression que notre intelligence est devenue trop stérile et ne produit, ne réfléchit même plus. Paul disait, je prie en intelligence, je prie aussi en langue. Donc, arrêtez seulement de prier en langue. Apprenons aussi à prier avec l'intelligence. Développons notre intelligence. C'est très important. La deuxième erreur, ce sont les chrétiens qui ignorent totalement les activités de Satan. Et j'ai vu ça à Abidjan. J'ai vu à Abidjan des pasteurs, des docteurs, prophètes, dont leur seule mission, c'est les 14 clés pour le succès, les 18 mystères de la révélation, les 21 pas vers un mariage glorieux, les 14 clés de la communication. Dimanche d'après, comment pouvoir faire les 4 étapes vers une bénédiction qu'on ne peut pas voler. Après une autre étape, tu vas voir les 5 secrets quittés de la pauvreté à la prospérité. Après, tu vas parler, il va dire les clés du mystère du royaume, la 5e porte dans le corps de l'homme. Frère, attendez, excusez-moi, frère. Toute ta vie, c'est expliquer les clés. Mais ça, c'est quoi ça? On est devenu quoi à l'église? Les clés de. Qui t'a même dit que les clés sont importantes? Qui t'a dit ça? En tout cas, moi, je dis aux gens, il y a deux manières d'ouvrir une porte. Soit on ouvre la porte par la clé, soit on ouvre la porte en cassant la porte. Il y a les deux manières. Si tu n'as pas la clé, tu n'as pas besoin de clé, la violence ouvre la porte, casse la porte, tu entres. C'est clair. Je n'ai pas besoin de vos clés. Esaü avec une clé. Il n'est pas cassé jusqu'à être béni. Jacob avec une clé. Il n'a pas bagarré avec Dieu jusqu'à être béni. Frère, arrêtons les clés de, Toi-même, le pasteur qui a toutes les clés là. Finalement, si on te donne toutes les clés que le pasteur a prêché, mais tu seras comme dans le film de... Un film qu'on appelle Matrix, où il y a un homme qui portait des clés. Donc, au lieu d'arrêter ta Bible, tu seras en train de porter les clés. On dit, ça c'est la clé pour mon mariage réussi. Ça c'est la clé pour ma prospérité. Ça c'est la clé pour mon élévation. Ça c'est la clé pour empêcher mes enfants de mourir avant le temps. Ça c'est... Tu es devenu porter des clés. Même à Bion, on a donné une seule clé. Les clés du royaume, c'était tout. Et le reste, il a cassé pour entrer. Je prophétise dans ta vie, oh my God. Pendant que tu tends ta main sur l'écran, quelles que soient les portes qui étaient fermées et qu'on avait volé les clés, ne poursuis plus les clés. Laisse. Casse la porte, tu entres. Car le royaume de ce souffle de violence. Et seuls les violents ne le prennent pas par la clé. Les violents ne le prennent pas par la force. Frère, comprends ça bien. Tournons la page.
Le problème, donc, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens ont commencé à développer des principes. L'Église est devenue un centre pédagogique. On est devenu une armée. On est devenu un instrument de guerre pour saccager le camp de l'ennemi. Malheureusement, l'Église est devenue un endroit psychologique dans lequel on se retrouve pour avoir un bien-être. On revoit les gens qu'on n'a pas vus à cause du travail. On revoit certaines personnes. On a un climat favorable, un climat familial. Mais ce n'est pas ça la leçon de l'Église. La première mention de l'Église, et je veux que vous m'écoutez très bien. Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il a dit mon Église. Il n'a pas dit je bâtirai l'Église. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Jésus qui a créé le mot Église. Le mot ecclésia n'est pas une invention de Jésus. Si Jésus dit que celui qui a créé, c'est qu'il n'est dit pas la vérité. Il n'a jamais dit. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait des ecclésias. Le mot église est une invention romaine. C'est là que les Platons, les Aristote, c'est là où même les Socrate, ils avaient ce qu'on appelle leur pas d'ecclésia, ce qu'on appelle une assemblée. C'est quoi? Le mot église, ecclésia, c'est-à-dire appelé autre, c'était un terme technique particulier utilisé pour appeler une élite qui se retrouvait dans l'agora pour réfléchir sur comment faire fonctionner la société et apporter des solutions aux problèmes concrets. Le mot église, ce n'est pas seulement le rassemblement des gens appelés hors d'eux. Ça, c'est la définition primaire du mot église. Ce n'est pas le rassemblement des nés de nouveau. C'est la définition collégiale de l'église. Le mot église, c'est un rassemblement d'élite choisi hors d'une société, placé, équipé et formé dans le but de venir retransformer la société, dans le but d'apporter une révolution à cette société. Et c'est pour ça que Jésus dit, je bâtirai mon ecclésia. C'est-à-dire des gens que je vais prendre, je vais les former, je vais les travailler. Quand je vais les renvoyer, m'lagouzagada, ils vont bouleverser le monde. Et c'est ce que nous avons vu dans l'Acte des Apôtres, avec les 12 disciples, que quand ils parlaient, les gens disaient, mais ces gens n'ont pas d'éducation. D'où les gens se connaissent? Ces gens-ci, vraiment, on ne les connaît pas, ce sont des pécheurs, ce sont des gens qui mangeaient, dormaient avec nous. Mais comment ils parlent? Il y a une telle démonstration de la présence de Dieu. Parce qu'ils avaient compris la notion de l'église. Pas les missions qu'on a aujourd'hui dans chaque quartier d'Abidjan, dans chaque quartier de Côte d'Ivoire, de Yaoundé, de Bénin et tout le reste, on appelle église. Comment tu peux dire que tu as l'église et ton voisin était marabout et vous avez signé un pacte de non-agression depuis 3 ans? L'un de vous, soit vous deux vous êtes marabout, soit le marabout est un prophète comme toi. C'est pas normal. Comment tu peux dire que tu es là pour détruire les œuvres du diable et à côté de toi il y a une boîte de nuit, de l'autre côté il y a toute autre chose et il y a entendre. Parfois même vous échangez des fidèles. C'est-à-dire quand le fidèle vient écouter la prophétie ici, il va en boîte de nuit à côté pour finir et manifester la joie de la prophétie que tu lui as donnée. Ou alors, quand la prostituée finit d'avoir les clients là-bas, elle vient dans ton église, elle paie la dîme de sa prostitution et tu dis que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et si on te parle fort, tu dis que mon frère, c'est l'agent qui a péché. Tellement nous avons baissé le standard. Tellement nous sommes descendus sur bas. Parce que nous n'avons pas compris le principe du combat spirituel. Deuxième erreur de Job, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Job ne saisissait pas la portée du combat spirituel. Frère, ton ennemi n'est pas celui que tu vois. Ton ennemi est celui qui se cache derrière celui que tu vois. Si tu apprends à regarder au-delà des apparences, lorsque la femme qui avait l'esprit de Python parlait, ce n'est pas la femme qui parlait, mais c'est l'esprit de Python qui parlait. Paul n'a pas chassé la femme. Arrêtez d'excommunier les gens à l'église. Excommunier les démons. Derrière cet homme qui vit dans l'immoralité, il y a un démon d'impudicité. Derrière cette personne qui n'arrive pas à marcher avec Dieu, il y a un problème quelque part. Si nous sommes hommes de Dieu, identifions la source du problème et résolvons-le. Arrêtons de frustrer les gens comme si on était des gouttes de cette été tombées du ciel. Nous-mêmes, on a des issues, comme on dit en anglais, à traiter avec Dieu. Apprenons à identifier. Et c'est pour ça que quand les gens n'ont pas les miracles, on leur dit, c'est parce que tu n'as pas de foi. C'est trop facile de dire à quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas de foi. C'est pour ça que tu n'as pas de miracle. J'ai une question à te poser. Quand tu dis que c'est parce qu'il n'a pas de foi qu'il a eu des miracles, les ossements desséchés avec quelle foi? Quand Ézéchiel a prophétisé, il dit aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ils avaient quelle foi? On peut devenir une grande armée. Frère, pasteur, bishop, prophète,
Moi, je parle en tant qu'un père. Pas les gens qui disent qu'ils sont. Je suis 30 ans. Ça fait 28 ans que j'ai commencé une église. 1991, c'était ma première église. Je suis une voix autorisée dans cette nation. Et une voix autorisée en Afrique. Et je dis, si nous ne nous corrigeons pas, le jugement qui va descendre va commencer par nous. Il est important de reposer les bases. Le combat spirituel est une bataille qu'il faut faire. Et il y a deux dimensions. Il y a le combat spirituel dans la dimension lutter avec Dieu. Il y a le combat spirituel dans la dimension lutter contre le diable. Ces deux réalités doivent être comprises et doivent être appliquées. Je m'explique. La Bible dit que l'un des plus dangereux ou l'une des plus sérieuses batailles qui a été vécue par les hommes qui ont changé le monde sont les gens qui ont d'abord lutté avec Dieu. Ils ont lutté avec Dieu. Jacob lutta avec Dieu. La Bible dit qu'il bagarra avec Dieu. Et frère, c'est sérieux. Et la Bible dit qu'il a battu Dieu. C'est écrit dans ta Bible, Genèse chapitre 32, 33. Noir et blanc. Ne viens pas dire que Camden était un hérétique. Il a lutté avec Dieu et il a battu Dieu. Au point où il a arrêté Dieu, il a dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Et Dieu a dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Le jour se lève et le trône est vide parce qu'un homme m'a tenu prisonnier. Le premier homme à avoir fait Dieu prisonnier s'appelait Jacob. Parce qu'il disait à Dieu, mon père m'a béni, mais je ne vois pas la bénédiction. Car il y a une différence entre la bénédiction de l'homme et la bénédiction de Dieu. Mon père a déclaré sur moi, mais ça ne s'accomplit pas. Dieu, c'est toi qui m'as créé. Je veux que tu dises quelque chose. Et Dieu lui dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu as bien répondu. À partir d'aujourd'hui, tu seras Israël. Parce que la première fois qu'on t'a posé la question, ton père, tu as dit que tu t'appelais Esaü. C'est pour ça que la bénédiction est tombée sur Esaü. Maintenant que tu reconnais qui tu es, je vais te bénir. Et il a changé son nom. Nous avons besoin des hommes jacobiens. Nous avons besoin d'une nouvelle génération de chrétiens qui disent à Dieu, c'est inadmissible que ça fait 5 ans que je suis à l'église et je ne suis pas béni. La prostituée du quartier s'est mariée. Sa sœur s'est mariée. Moi, je suis là. Je garde ma virginité et je ne me trouve pas un mari. God punish the devil. Tchaï! Ça, c'est quelle histoire? On a besoin des gens qui sont fatigués. Je peux vous dire quelque chose? Ne dites pas au jamais. Ne faites pas confiance à Dieu en ce qui concerne le temps. Ne dites pas à Dieu que c'est ce que moi j'ai dit. Parce que moi, je... Ne lui faites pas confiance sur le temps. Demandez-moi pourquoi. Parce que comment tu peux faire confiance à quelqu'un qui te dit ouvertement que pour lui, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc le gars ne connaît pas la différence entre un jour et 1000 ans. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, je ne suis pas encore marié. Il dit que ça fait 10 ans que je ne suis pas marié. Il dit, mais ange Gabriel, ce n'est pas avant-hier qu'elle a commencé la prière. Ça veut dire que pour lui, 1000 ans, un jour, c'est pour ça qu'elle a dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, saisis la parole. Il n'y a pas un temps après le temps de Dieu. Le temps de Dieu commence quand ta foi est mûre pour recevoir ton miracle. Le temps de Dieu pour être guéri, c'est quand tu as découvert dans les Écritures, passe mes tissus, je suis guéri. Quand tu saisis ça, c'est le temps de Dieu. Donc arrêtez de dire, j'attends le temps de Dieu pour mon miracle. Frère, tu vas attendre longtemps. Jésus va revenir et il va risquer encore de mourir et repartir. Et tu seras toujours en train d'attendre. Saisis la parole pendant que tu m'écoutes. C'est pour ça qu'il dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'anticipez pas vos cœurs. Frère, je veux vous dire une vérité. Luttez avec Dieu. Et le plus haut niveau de combat spirituel. J'ai appris à lutter avec Dieu. J'ai appris à saigner Dieu, à saisir Dieu, à dire Seigneur, je veux voir ta gloire. Et aussi, il faut apprendre à lutter contre les forces des ténèbres. Arrêtez ce que l'ennemi a fait dans ta vie. Un jour, un homme, un jeune, une femme est venue me voir avec son fils qui était un jeune homme. Et le fils est devenu fou. J'ai demandé à la maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que l'enfant rentrait des classes un jour et un monsieur l'a giflé. Une gifle, pam! Et c'est comme ça qu'il est devenu fou. Ça fait 5 ans qu'il est fou. J'ai dit, ah madame, il dit, je suis allé partout, rien. Les hommes de Dieu ont prié. Elle a cité les noms des hommes de Dieu que moi-même je respecte, qui ont prié pour l'enfant. L'enfant n'est pas guéri. J'ai voulu demander à la femme, mais tu es allé voir tel homme de Dieu que moi-même je respecte. Il prie, l'enfant ne guérit pas. Moi, je vais prier quoi? C'est là où Dieu m'a dit, fils, à chacun, j'ai donné une grâce. Et Seigneur, qu'est-ce que je dois faire?
Dieu me dit, on l'a giflé, il est devenu fou. Gifle-le, il retrouve la santé. J'ai bandu ma main. Pam! Quand j'ai giflé, la femme a failli s'élever contre moi. J'ai amené mon enfant, tu le gifles. Pendant qu'elle s'est fâchée, le monsieur a dit, maman, maman, je suis où? Maman, je suis où? Il avait retrouvé ses 5 ans de folie arrêtés par une gifle. J'ai compris. J'ai compris pourquoi quand Jésus, on venait avec un malade, Jésus parlait, le malade était guéri. À un autre, Jésus fait la boue, il guérit. À un autre, Jésus dit, va te laver dans l'eau, et il guérit. J'ai posé la question au Seigneur, maître, pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je verse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. C'est ça qui va nous sauver. L'église aujourd'hui doit comprendre que nous sommes dans un temps délicat. Nicky Cruz était en train de voyager dans l'avion. Et pendant qu'il voyageait, il voit un monsieur qui ne mange pas. C'était pratiquement 10 heures de vol. Ah! Il demande au monsieur, vous faites quoi? Vous ne mangez pas? Vous avez un problème? Le monsieur lui dit, oui, je n'ai pas de problème, mais je jeûne. Ah! Le monsieur dit, mais vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien? Le monsieur lui répond à Nicky Cruz, à Dieu ne plaise, je ne peux jamais être chrétien. Il dit, et pourquoi vous jeûnez? Il dit, je suis sataniste. Je jeûne pour détruire les foyers des chrétiens. Je jeûne parce que dans ma ville, une église vient d'ouvrir, ça doit fermer. Il dit, il a fait 40 jours de jeûne. Nicky Cruz a dit, tiens, voilà un monsieur qui jeûne pour que les églises se détruisent, pour que les foyers se gâtent. Et toi, chrétien, tu manges le matin, tu manges à midi, tu manges. Tu vas vomir ce que tu as mangé aujourd'hui. Tchad! Voilà comment les non-croyants, les satanistes prennent le diable au sérieux. Et nous, on dort. Et on dit, Seigneur, bénis-nous alors. Un jour, je voyageais. J'étais en première classe. J'étais en train d'aller aux États-Unis. Et il y avait un monsieur musulman là. C'était l'heure de la prière. Il se lève. Il commence. J'étais en train de somnoler dans l'avion. J'entends seulement, Allahu Akbar, Allahu Akbar. J'ai cru que j'ai rêvé, mais j'avais suivi quelle émission? Je lève, j'ouvre le nez. Je vois un monsieur qui a établi sa tente en business class. Il est en train de prier. Maman, j'appelle Lucien. Je dis, madame, le monsieur, s'il m'empêche de dormir. Parce que je ne sais pas ce qu'il dit. Peut-être qu'il invoque une bombe. Et quand j'explose là, je me trouve avec Abraham, Isaac et Jacob, laissant ma femme de l'autre côté alors que je n'ai pas encore fini le toutounia. J'ai dit, jamais. Arrêtez. La femme dit que non, c'est sa religion. Il est libre de partir. J'ai dit, ah bon? On me dit, oui, c'est sa religion. C'est son heure de prière. J'ai enlevé ma veste. Je me suis levé, j'ai pris ma Bible. Imbrakata, imbrokoto, imbraka, arakazuka blekatula, imbrokora pochakatala. Yeah! Yahweh, tu es Dieu. Imbralaka mbrokoto kokoko, abrokosh. J'ai commencé à me promener partout dans le business class. Les gens disent, oh monsieur, arrêtez, on n'est pas à l'église ici. J'ai dit, ah, monsieur, ah bon, hein? On est à la mosquée. S'il n'arrête pas, je n'arrête pas. Imbrakota. C'est à ce moment que les yeux sont venus, que tout le monde arrête de prier. J'ai dit, c'est bon. Frère, c'est la violence. N'accepte pas que n'importe quoi t'arrive. Job a commis une erreur. Il ne s'est pas levé contre Satan. Il n'a pas livré une bataille afin de sortir de cette situation. C'est pour ça que ça a duré. Cette maladie que tu as, ce problème que tu traverses, cette situation que tu as, c'est à toi que je parle. Je suis venu t'annoncer. Il y a une main satanique derrière. Et pendant que je prie pour toi, j'ai brisé la main là au nom de Jésus. Tends la main vers l'écran. Tends la main. Bralukuziya imbraku shakata. Je ne connais pas quel est le sort qu'on a jeté dans ta vie. Ça fait longtemps que tu attends le mariage, tu ne vois pas. Hey, 10 ans de fiançailles. Ce n'est plus le rêve du mariage, c'est le cauchemar du mariage. Ça, c'est quoi ça? Ça fait longtemps que tu attends ta promotion. Ça fait longtemps que tu veux voir ta guérison. Le voyage ne vient pas. Tout ce que tu voyais, c'est pour aller au Ghana et au Bénin. C'est quoi ça? Tu ne peux pas aussi aller aux États-Unis? À partir d'aujourd'hui, pendant que ta main est tendue, partout on a bloqué ta vie, partout on a détruit ta vie, je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Dans 24 heures, un miracle frappe à ta porte. Dans 24 heures, la délivrance vient dans ta vie. Dans 24 heures, le ciel s'ouvre sur ta tête. Tu es béni au nom de Jésus de Nazareth. Si tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tout à l'heure. Waouh, merveilleux. Deuxième erreur que je n'ai pas commis, certainement une erreur que tu ne commettras pas. Prépare-toi.
la prochaine émission où nous allons parler de la troisième erreur de Job et de la quatrième erreur de Job. As-tu aimé? Je sais que tu l'as fait. Merci de m'appeler. Le contact, c'est bien sûr votre émission L'Ange de Nazareth sur BeniTV. Et c'est une émission qui est proposée et présentée par le Centre de formation Nazareth ici à Abidjan. Centre de formation Nazareth, c'est une école de formation pour les leaders que je dirige et avec le professeur Stimulium, où nous voulons mettre sur pied un nouveau type de leadership, de formation des ouvriers. À partir du 1er septembre de cette année, Dieu va faire des choses incroyables. Appelez-nous au numéro qui s'affiche au niveau de l'écran. Nous serons très contents de recevoir vos appels, de prier pour vous. Vous avez soif de Dieu, vous voulez voir Dieu manifester sa grâce dans votre vie. Eh bien, c'est disponible. C'est au numéro plus 225, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, 48 96 82 83. Vous pouvez aussi appeler au plus 225 64 46 75 82. Ces deux numéros sont disponibles. C'est au travers de ces numéros que vous pouvez me joindre. Je suis le docteur Dienodo Kamdemnunga, le phénix de Dieu, général de Dieu. Et c'est avec beaucoup de joie que je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. N'oubliez pas, c'est tous les jeudis et les vendredis, 19h30, 20h, avec des diffusions à 2h30. Je vous aime de tout mon cœur et merci de nous faire signe. Ciao. Yélélé, alléluia. Yélélé, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va, come on. L'Éternel conduit son peuple. Il n'y avait pas des dieux étrangers.